La deuxième journée du sommet sur l'agriculture et l'agroalimentaire a été consacrée aux échanges relatifs à la mobilisation et à la mise en cohérence des ressources et de financement du secteur agricole. Les panélistes composés des chefs d'État et du gouvernement et des ministres en charge de l'agriculture ont axé leur intervention sur la libéralisation du potentiel alimentaire de l'Afrique, la levée d'obstacles au développement agricole en accompagnant d'investissements nouveaux, l'augmentation de la productivité agricole en Afrique, entre autres. Les systèmes agricoles adaptés au climat avec des investissements du secteur privé tout au long de la chaîne de valeur alimentaire pouvant aider à faire de l'Afrique un grenier pour le monde ont retenu l'attention des intervenants. Le ministre tchadien de la production et de la transformation agricole, Lao Kourayo Medar, a vanté le mérite du Tchad qui fait du développement de l'agriculture la priorité des priorités. L'adhésion du Tchad à African Risk Capacity et Africa Trade Insurance. La sécurité alimentaire et nutritionnelle est une priorité des autorités nationales. Je vous apprends que qu au Tchad, nous sommes en train d'utiliser les plantes locales pour faire des biopesticides pour essayer dans certaines zones. Afin de voir si nous ne pouvons pas un jour nous débarrasser des pesticides chimiques. Dévoilant la vision du cadre sur la gestion rationnelle et durable des ressources naturelles, le représentant du président de transition, président de la République, chef de l'État, Général Mohamed Idriss Debitno, a édifié l'assistance sur la nécessité du gouvernement à diversifier les produits agricoles, à valoriser la maîtrise en gestion de l'eau, les potentialités et le renforcement des capacités des services et personnels du secteur. Il a aussi mis l'accent sur la production des filières porteuses, l'implication du secteur privé et le financement innovant de l'agriculture. Le sommet a vivement félicité le Tchad pour ses efforts selon l'esprit du sommet l'afrique a besoin d'un financement de 000 milliards de dollars d'ici 2030 pour sa politique agricole juste après son intervention le ministre d'état a eu à rencontrer les partenaires sur le mécanisme de la mise en œuvre du pacte national qui nécessite 25 millions de dollars le financement sera assuré par le tchad et ses partenaires au développement dans leur ensemble les partenaires ont promis d'accompagner le gouvernement à relever les défis